avec le design durable RSE, en équipe de 6 personnes, on a pu challenger ma problématique initiale avec une divergence du coup d'idées, une convergence commune. Et donc, un moyen finalement de bien cerner l'utilisateur final, c'est la mise au point des questionnaires qui m'a permis de bien visualiser finalement les différentes typologies des utilisateurs de la solution envisagée. Je trouve que la méthode est très, ça peut aider beaucoup une organisation à implémenter un projet RSE, parce que d'abord elle est agile en fait, on y va très rapidement sur toutes les étapes, elle est très claire, donc toutes les étapes sont identifiées, on se retrouve très rapidement, et ensuite toutes les structures finales permettent aussi de faire des allers-retours entre les différentes étapes et à la fin avoir un rendu très structuré. Qui peut servir de support pour l'implémentation par la suite.